La Schufa est une entreprise en Allemagne qui collecte les données sur le profil financier des personnes résidentes en Allemagne. Mais beaucoup de personnes dans la communauté ne savent pas toujours ce qui est mentionné sur eux à la Schufa et parfois se retrouvent simplement déçus quand il s'agit soit de louer une maison, soit de prendre un crédit de consommation, soit de prendre un crédit pour un investissement immobilier ou simplement pour acheter une maison pour y vivre avec sa famille. Donc parfois ils sont surpris au moment où la banque les dit, écoute, tu gagnes bien ta vie, certes, mais tu n'auras pas de crédit parce que tu as une Schufa qui ne donne pas confiance, en fait, qui ne donne pas des choses, ou ne dit pas des choses bonnes sur ta personne, du coup, on ne va pas te donner le crédit. Donc, vous pouvez éviter cela. Et je vous explique dans cette nouvelle vidéo comment faire pour non seulement savoir ce qui est mentionné sur votre Schufa, notamment ce qui est mentionné comme données sur votre Schufa, et ensuite, comment vous pouvez faire pour sortir de là définitivement si jamais vous êtes dans la Schufa. Salut et bienvenue sur la chaîne Russie en Allemagne. Moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide des Africains à investir en Allemagne et à s'intégrer de façon le plus facilement possible. Alors si toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides déjà en Allemagne et que la thématique sur l'intégration et le business en Allemagne t'intéresse, tu dois simplement faire deux choses. La première c'est t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 8h, heure de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager cette vidéo avec tes amis et tes proches que tu aimerais voir sortis définitivement de la Schufa, du moins être évalué seulement positivement dans cette entreprise, la Schufa qui est à mon sens très importante. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a généralement un abus de langage dans la communauté qu'on dit « j'ai à la Schufa, XY est à la Schufa, celui-ci n'est pas à la Schufa ». Non. En fait, tout le monde, j'ai dit ça en début de vidéo déjà, tout le monde qui vit en Allemagne est a priori à la Schufa. Le plus important, c'est qu'il faudrait simplement être évalué de façon positive. Parce qu'à partir du moment où vous vivez en Allemagne, vous avez appris un contrat. Ça peut être un contrat téléphonique, ouvrir un compte bancaire. Toutes ces informations-là sont collectées et sont mentionnées dans votre Schufa. Ce qu'on appelle en allemand Schufa Auskunft. Donc, il est important d'être évalué de façon positive. Donc, tout le monde en Allemagne est à la Schufa. Mais il s'agit de l'évaluation positive ou négative. Généralement, quand vous êtes évalué de façon négative, vous êtes, n'est-ce pas, comme un mort vivant pour la banque et pour des autres instituts financiers. C'est devenu difficile pour vous de trouver un contrat. Parce que justement, les bailleurs regardent dans votre Schufa, dans votre escrin de Schufa pour savoir quel type de personne vous êtes sur le plan financier. Parce que personne ne peut vous donner sa maison à louer si vous n'êtes pas capable de payer son loyer, n'est-ce pas? Et ceci n'a rien à voir avec ce que vous gagnez. Il y a des gens psychologiquement qui ne sont pas disciplinés, qui ont des problèmes à payer un service. Et cette entreprise-là est là justement pour réguler un peu cela. Donc, ça peut avoir un effet négatif sur vous si vous comptez peut-être prendre un crédit de consommation, prendre un crédit de financement immobilier ou simplement prendre un crédit pour lancer votre business. Donc, vous voyez que c'est très important de comprendre cela. Donc, maintenant que vous savez qu'on ne dit pas forcément, en fait, on n'est pas, tout le monde est à la Schufa, il s'agit simplement d'être évalué de façon positive. Il pourrait arriver qu'actuellement, vous êtes peut-être évalué de façon négative. Donc, du coup, vous avez du mal même à assurer votre voiture parce que l'entreprise d'assurance véhicule refuse d'assurer votre véhicule à cause, n'est-ce pas, de vos données à la Schufa. La bonne nouvelle, ce que vous devez savoir, c'est que toutes les informations qui sont mentionnés sur vous, il y a de fortes chances que certaines informations sont fausses. Et si ces informations sont fausses, vous pouvez les faire effacer. Donc, c'est votre droit. C'est pour ça qu'il faudrait savoir à peu près ce qui est mentionné sur vous chaque année. La bonne nouvelle également, c'est que chaque année, en Allemagne, vous pouvez demander un extrait de votre Schufa et c'est gratuit. Une fois l'an, si vous faites plus d'une fois, vous devez donc payer un certain montant. Donc, je vous conseille maintenant, en début d'année 2022, de faire un extrait de votre Schufa dès la fin de cette vidéo, demandez et après peut-être 2 ou 3 semaines, on va vous envoyer
n'est-ce pas, l'extrait de votre souffle. Vous pouvez voir exactement ce qui est mentionné là-dedans. Si vous avez du mal à interpréter cela, contactez-nous, on va vous aider. Si vous avez des problèmes même dans vos finances, ou vous ne savez pas comment organiser pour sortir plus rapidement possible de cette souffle, on va également vous aider dorénavant à travers la chaîne Réussir dans Manon. Si vous avez besoin de notre aide concernant cela, vous pouvez simplement écrire à l'adresse email qui affiche là, contact@reussiteenallemagne.com, et ensuite on pourra vous aider à vous en sortir dans ce cas de figure. Donc, une fois après avoir dit cela, c'est que il y a des informations fausses qui pourraient s'y retrouver dans votre soufa, et du coup vous pouvez effacer cela ou faire effacer cela par la soufa. Il y a également des informations, par exemple, qui sont là depuis longtemps, mais la banque peut-être à laquelle vous avez eu un compte au passé, ou un crédit au passé, ou un litige simplement qui a été résolu, la banque a peut-être oublié de demander à la soufa d'effacer ces données-là. Du coup, ces données-là sont restées depuis longtemps. Mais vous, quand vous n'étiez pas au courant, quand vous ne savez pas quand on peut effacer cela, vous n'avez rien fait. Donc du coup, il faut toujours regarder, parce que ça peut arriver qu'il y a des entrées dont vous avez déjà terminé, vous avez déjà résolu le problème il y a longtemps. C'est votre responsabilité en fait de les faire effacer. Donc, une fois que vous avez déjà cela, si une entreprise, par exemple, écrit des choses fausses ou des informations fausses, non avérées sur votre personne à la choufa, vous pouvez porter plainte à la dite entreprise, hein, si c'est avéré. Et vous pouvez même demander des dommages. La société doit vous verser, quoi, en échange, parce que c'est votre profil. Comme je dis, c'est votre acte de naissance sur le plan financier, en fait. Vous savez que l'une des choses en Europe et en Occident en général, qui est attractive, à mon sens, c'est le droit au crédit. Et c'est en fait le fait qu'on peut être financier à des faibles taux. Donc, si vous n'avez plus la capacité d'être financier, vous n'êtes plus finançable, ça devient très compliqué. Donc, prenez vraiment la chose au sérieux. Maintenant, vous allez certainement vous poser la question de savoir, mais Franklin, quand suis-je évalué de façon négative à la choufa? Vous êtes évalué de façon négative à la choufa d'après le paragraphe 31 du Bundesgesetz für Datenschutz, donc ce qu'on appelle Bundesdatenschutzgesetz en français, donc simplement la loi fédérale, hein, sur la protection des données. À partir du moment où vous avez signé un contrat, ça peut être un contrat verbal, hein, ça veut dire que vous achetez un article, vous avez la prestation reçue, vous avez reçu la prestation par le prestataire, hein, mais vous refusez de payer. En ce moment-là, après deux amendes, le prestataire peut vous d'abord vous faire savoir que si vous ne payez pas, il va envoyer vos informations à la choufa. Et si vous ne faites pas, il peut le faire. Dans ce moment-là, la choufa a le droit d'enregistrer ce non-paiement-là ou cette violation de contrat-là à leur niveau. C'est ce que la loi clairement statue. Donc, je vous ai dit, vous pouvez taper sur Internet, paragraphe 31, Bundesdatenschutzgesetz, donc BDSG. Maintenant, il y a également le cas où vous avez des contrats, par exemple, à longue durée. Ça peut être un contrat téléphonique, ça peut être un contrat avec une agence d'assurance, ça peut être également un contrat d'électricité. Ça veut dire que vous avez pris votre maison, vous louez votre maison, vous avez un contrat avec celui qui vous approvisionne en électricité. Et du coup, pour des raisons, hein, peut-être de non-paiement, après plusieurs appels, le prestataire décide de résilier le contrat et vous amende à la fin du contrat pour dire, écoute, voilà par exemple les dommages qui ont coûté à cause de votre mauvais comportement. C'est ce qu'on appelle généralement en allemand le Zomnis. Donc, il y a des entreprises, même l'État, hein, parfois quand vous avez une facture à payer avec l'État et vous n'arrivez pas à payer à échéance, elle vous envoie notamment la facture en rappel et vous donne parfois peut-être 5% de la somme en plus à payer parce que vous n'avez notamment pas payé la somme dont vous devez payer. Parfois, ça peut aller de 5% à 10% selon la commune dans laquelle vous vivez. Donc, quand vous avez, n'est-ce pas, manqué à ce paiement-là, et vous avez ce rappel-là deux fois de suite, et vous ne payez toujours pas, du coup, cette société ou votre commune peut demander à la choufa d'ancrer ces informations-là dans votre choufa. Et du coup, toutes les autres instituts de crédit ou futurs prestataires verront justement que la personne X, en 2014, n'a pas payé ou a eu des conflits avec un contrat dans ce cadre, blablabla, quoi, un peu plus en détail. Donc, vous voyez que ça va donner un aspect négatif sur votre personne et sont des choses que vous pouvez éviter. Donc voilà le deuxième cas de figure dans lequel on a introduit quelque chose sur votre personne à la choufa. Donc il y a le troisième cas maintenant, quand il s'agit par exemple d'une affaire de justice, quand un verdict tombe, par exemple vous avez été inculpé, ou simplement quand il y a une ordonnance
de saisie, par exemple, de biens chevaux, par exemple, ce qu'on appelle parfois en allemand, Forschreckungsbescheid, du coup, on peut également directement entrer ces informations-là sur vous qui sont vraiment très négatives pour votre futur hein, en Allemagne et justement pour votre épanouissement sur le plan financier. Parce que ça devient difficile, aucune banque ne vous fait confiance, personne ne va vous financer et ça devient très compliqué. Donc, faites vraiment attention à ces différents cas-là. Maintenant, une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a des données effaçables, et notamment tout de suite. Donc, il y a les données, en ce qui concerne au niveau des données effaçables, vous avez par exemple la confusion de personnes. Je disais déjà ça en début de vidéo, on peut l'effacer tout de suite, une fois que c'est avéré. Et il y a les données fausses, par exemple, mentionnées sur vous, vous pouvez la faire effacer. Et si l'entreprise résiste ou ne veut pas la faire effacer, vous pouvez prendre un avocat pour insister qu'on efface cela et demandez même qu'on vous donne des dommages là-dessus. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle les données anciennes. Mais sur les données anciennes, je vais vous expliquer plus en détail ici, parce que ici, c'est un élément très important qui a encore deux sous-éléments à tenir en compte dans ces cas de figure. Donc, dans les données anciennes. Et dans les données anciennes, nous avons par exemple la fermeture du compte bancaire. Donc, je vais mettre ici fermeture d'un compte bancaire, ça se fait tout de suite à partir du moment où la banque vous a notifié que le compte a bel et bien été fermé. Directement, la banque doit envoyer l'information au niveau de la Choufa et la Choufa doit l'effacer directement sur votre profil. Très important. Maintenant, deuxième point de vue, c'est la demande de crédit. Ça, c'est un point très important. Je vais en parler là-dessus encore davantage. Demande de crédit. Je n'ai pas dit octroi de crédit, hein, donc demande de crédit. Et ici, c'est tout crédit. Que ce soit un financement immobilier, que ce soit un crédit à consommation, que ce soit un crédit pour l'ancien business, quand vous demandez le crédit dans une banque, et demandez, vous dites quoi? Vous allez faire une banque, elle vous demande de donner, vous dites, écoute, j'aimerais un financement de 100 000 euros. J'aimerais un financement de 150 000 euros. Et la banque vous dit, ok, envoyez-nous vos données. Parfois, ils demandent votre carte d'identité ou simplement votre passeport ou simplement votre titre de séjour, n'est-ce pas? Quand ils ont ces données-là, ils vont aller simplement regarder votre choufa. C'est la première chose que la banque fait. Et si vous demandez, comme parfois je vois des charlatans sur Internet raconter du n'importe quoi, en ce qui concerne l'investissement immobilier, vous demandez d'aller faire plusieurs banques, n'est-ce pas? Si vous demandez sur 100 banques, par exemple, hein, vous demandez sur 100 banques, vous aurez 100 entrées dans votre choufa. Faites attention, 100 entrées dans votre choufa. Et quand vous allez demander votre choufa, par exemple, vous allez voir, généralement, c'est peut-être c'est plusieurs pages. Hein. Donc, demandez, imaginez que vous voulez prendre un crédit de 100 000 euros, même de 400 000 euros, vous demandez dans 100 différentes banques. Vous aurez justement, toutes ces banques-là vont aller dans votre choufa, regardez. Et finalement, quand vous allez aller à la 101e banque pour demander du crédit, qui pourrait peut-être, hein, que la banque pourrait peut-être vous donner dans ces cas de figure parce que vos données passent, mais elle va voir qu'il y a eu 100 demandes. Mais elle va se dire, mais attends, mais pourquoi parmi les 100 banques-là, aucune n'a abouti. Donc ça peut s'avérer très nocif pour votre financement même. Donc c'est ce que je vous dis, faites attention quand vous voulez demander du crédit. Ce problème-ci, nous l'avons déjà résolu avec nos élèves. Et aujourd'hui, je te donne l'opportunité également de résoudre. Si tu es en problème actuellement, en difficulté de financement actuellement, tu ne trouves pas le financement, tu ne sais pas comment t'y prendre, nous faisons dorénavant le financement à travers la chaîne Réussir en Allemagne. Nous avons des partenaires expérimentés qui étaient avec nous également au séminaire et qui seront avec nous au prochain séminaire d'ici le mois d'avril du côté de NAV. Donc, tu pourras simplement soumettre un dossier, on va te trouver le financement. On va t'éviter tous ces tracasseries ici parce qu'on a la possibilité d'accès à plusieurs banques et tu n'auras pas 100 entrées dans ta choufa qui vont sans doute nuire à ton financement. Tu auras peut-être une entrée ou tout au plus deux parce qu'on sait déjà à l'avance, d'après l'expérience que nous avons, quels sont des profils qui passent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir un financement adéquat par rapport à ta personne. Donc, ce problème est résolu et je ne veux plus entendre que quelqu'un de la communauté se retrouve dans choufa à cause de ces différentes erreurs-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, il faudrait vraiment éviter ça, les amis. Maintenant, le troisième cas de figure. Quand vous demandez le crédit, justement, ça reste pendant un an. Hein. Donc, c'est après un an que ça s'efface. Si je veux financer un bien immobilier en février et qu'en janvier 2022, je demande dans autant de banques, il faudrait attendre jusqu'à 2023 pour que ce soit effacé. Vous voyez? Donc, ça me plombe quand même carrément toute l'année, quoi. Donc faites attention par rapport à ça, les amis. Il y a également
un autre cas de figure en ce qui concerne les données anciennes, qui est justement le Incasso Verfahren. Vous savez, Incasso, c'est cette entreprise qui s'occupe plutôt, si vous voulez, c'est un peu comme une société qui s'occupe de l'obligation d'aller chercher l'argent aux différents clients qui ne veulent pas, en fait, aux clients têtus qui ne veulent pas payer leur dû. Donc du coup, Incasso fait un peu ce qu'on appelle, vient avec, si vous voulez, un peu en force, en renfort, pour aider les entreprises à récupérer l'argent, même par force de votre compte, quoi. Non, c'est un peu ça. Mais quand vous êtes dans cette situation-ci, c'est très mauvais pour vous. C'est pour ça qu'il faudrait toujours éviter d'y arriver. C'est très mauvais parce que là, on entre dans votre souffle et on écrit des choses très négatives. Et également le cas de figure quand vous êtes emprisonné. Donc on a fait ce qu'on appelle le Haftbefehl. Donc en allemand, on dit Haftbefehl verlassen oder erlassen. Donc on a demandé de vous arrêter pour vous enfermer. Ça également est entré dans votre souffle tout de suite. Et ça reste pendant 3 ans. Donc c'est après 3 ans que vous pouvez l'effacer. Je veux que la chauffeur l'efface. C'est très mauvais, les amis. Non, n'arrivez pas dans ce cas de figure. J'aurais même dû mettre ça en rouge parce qu'il ne faudrait pas arriver à ce niveau-ci. Ça, c'est pas bon. Même ça, c'est pas bon. Donc, évitez cela. Parce que si vous avez un bon profil, normalement, avec une ou deux banques, on vous finance, quoi. Et si votre profil est mauvais, il faudrait d'abord travailler sur votre profil et ensuite aller vous faire financer. Donc, c'est aussi simple, que cela. Il n'y a pas de complications là-dessus. Donc, voilà en gros ce qui est de la choufa et j'espère que ça t'a apporté un plus. Donc, si tu aimerais savoir davantage, parce que je sais que beaucoup d'entre nous sont dans la choufa, notamment ceux qui étaient d'abord en tant qu'étudiants, étaient inconscients des différents comportements financiers qui s'affichaient. Il y a également, par exemple, ce paiement de la taxe sur l'audiovisuel qui avait été introduit, je pense, en 2013 en Allemagne. Beaucoup de personnes ont dit « je ne paye pas ». Et du coup, à cause de ce non-paiement-là, ils ont reçu 3 ans après, 4 ans après, une grosse facture. Hein. Et au lieu de négocier cette facture et payer même en traite, beaucoup de personnes ont dit « je ne paye pas simplement ». Et ça a causé que beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces personnes-là ont été négativement évaluées à la choufa, alors qu'ils auraient pu éviter cela. Donc, voilà en gros en ce qui est sur cette vidéo de la choufa. J'espère que ça t'apporte un plus. Hein. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Dis-moi en commentaire si tu étais également négativement évalué à la choufa. Et comment tu as fait pour t'en sortir, hein? Je pense que ton information que tu pourras donner pourra également aider la communauté davantage. Il ne me reste plus qu'à te dire, hein? Heureuse et bonne année 2022 à toi et à ta famille. On reste en contact, on reste éveillé parce que c'est de ça qu'il s'agit. On veut réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour.